coupe-t-on les poils? Je vois quatre raisons. Pour retirer des nœuds, pour éviter les nœuds, pour lui dégager la vue, pour éviter qu'il ait trop chaud en été. Déjà, qu'est-ce qu'un nœud? Les nœuds se font très souvent sur les endroits du corps où il y a des frottements, c'est-à-dire laine et parfois aux aisselles. Votre cochon d'Inde peut être concerné s'il a des poils qui mesurent plus d'un centimètre. J'ai eu des nœuds aux fesses chez Wyatt, chez Buster, seuls ceux avec des poils très courts, comme Totem, n'en ont jamais. Ce que j'appelle nœud, c'est aussi bien des poils emmêlés que des poils collés entre eux par du jus de légumes ou fruits, avec le sucre, ou alors, et surtout, par le gras de la glande graisseuse qui se trouve derrière, en bas de la colonne vertébrale. Couper les poils. Pour cet exemple, Gardenia est indiquée puisqu'elle répond à tous les critères. Ses poils longs forment des nœuds sous ses cuisses, sa frange lui retombe sur les yeux, et ils sont si longs qu'ils forment un épais manteau qui n'a pas lieu d'être en été. On va avoir besoin de brosses, une pour démêler, une brosse douce pour peaufiner et des ciseaux. Alors, je ne montrerai pas la coupe de la frange parce que c'était déjà fait. L'idée est de couper les poils au-dessus des yeux pour qu'elle voit clair, sinon elle voit difficilement ce qui se passe au-dessus de sa tête. Je vous mets en lien une vidéo qui explique comment tailler la frange. Pour éviter qu'elle ne prenne froid en perdant beaucoup de poils d'un coup, je procède à sa coupe d'été en deux fois. La première fois, je raccourcis de beaucoup la longueur de ses poils. D'abord, je brosse. Logiquement, si votre cochon d'Inde a des poils longs, vous le brossez assez souvent pour qu'il ne soit pas plein de nœuds, ni plein de foin, et que les dents de la brosse passent au travers des poils sans souci. Maintenant, on va pouvoir attaquer la coupe. Les poils retombent de chaque côté et cachent ses pattes. On va les dégager. Je suis droitière, je commence par le côté gauche du corps, ce qui évite de passer ma main sur sa tête, ce qui la dérange. Quand vous attrapez une mèche de poils, surtout, ne tirez pas dessus pour la tendre. Relâchez un peu, sinon quand le ciseau coupe, ça tire davantage sur la peau, au niveau de la racine des poils, et ça gêne le cochon d'Inde. Il pourrait même avoir des petits sursauts. Saisissez la mèche entre vos doigts, tendez, puis relâchez un peu et coupez. Ne coupez pas une épaisseur totale de poils, allez-y par rangée et par couche. La première moitié est faite. On fait une pause pour qu'elle puisse faire pipi et se détendre, sinon elle risque de perdre patience et ce serait dommage, elle a été si sage. La pause est terminée. On attaque l'autre moitié, le côté droit, et c'est moins drôle puisque ma main ne cesse de venir contre son visage et Gardenia est agacée. Bon voilà, ça ira pour un début, je laisse Gardenia tranquille. Je coupe ses poils de cette manière toute l'année pour éviter les nœuds et faciliter l'entretien de sa fourrure soyeuse. Une semaine s'est écoulée. Je suppose qu'elle a eu le temps de s'habituer à sa nouvelle coupe, de gérer sa température. Alors je peux intensifier l'élagage pour la rafraîchir en cette saison chaude. Même principe que précédemment. C'est un peu moins facile et rapide parce que les poils sont plus courts. Alors allez-y en douceur, il ne faudrait pas le piquer avec la pointe des ciseaux. Soyez prudent, rien ne presse. S'il s'agit de trop, pensez à faire des pauses. Remettez-le chez lui, qu'il se détende. C'est le tour du derrière. Coupez de manière à ce que les poils ne touchent pas le sol, sinon ils se salissent avec l'urine et forment des nœuds. Ensuite, je la mets debout et je dégage ces petites pattes d'œuf qui forment des nœuds facilement. Et ça, donc régulièrement, coupez les poils de l'arrière-train tout au long de l'année.
Voilà, la coupe est terminée, Gardenia est en tenue d'été.